les impacter. Bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que ça va. Moi, ça va super bien. Là, j'ai fermé mon bureau. Je m'en vais au rendez-vous du consultant qui vient à Abidjan le 20 décembre. Oui, je vais le rencontrer. Ça va être comme un vlog. Vous voyez, là, aujourd'hui, je me fais conduire. Hein? Vous voyez ça. Voilà, ça va être comme un vlog. Il va vous faire rencontrer son personnel, comme je vous ai dit. Il y aura une personne aussi qui est bilingue. Deux personnes bilingues, oui, dedans. Il y a Anne qui parle anglais et français. Elle va vous parler en anglais. Et puis, il y a Madame Ayat aussi qui va vous parler en arabe et en français. Donc, ce n'est pas parce que vous allez voir qu'on parle en anglais ou en arabe que tout de suite, vous allez quitter sur la vidéo. Non, allez jusqu'au bout. Il y a des informations très importantes qu'on va vous donner dans ce vlog-là. On va vous montrer les locaux. Monsieur Magadi va vous expliquer comment Destiny travaille, la minutie, le sérieux dans le travail. Vous allez voir ça dans ce vlog-là. Donc, je vous demande de le partager. Likez les vidéos. C'est pas peu. Vous n'êtes pas en parlable avec moi. Vous êtes mes impactés. Vous êtes mes amours. Hein? Donc, quand je fais les vidéos d'information comme ça, vous-même, vous avez dit c'est ce que vous aimez. Donc, likez aussi, partagez pour m'encourager, pour que je reste sur cette voie-là. Voilà. Donc, tantôt là, on va commencer par vous montrer déjà le local de Desti à l'entrée. Et puis ensuite, vous allez tout suivre. C'est très intéressant ce qui va se passer. Merci beaucoup. À tantôt. Ciao. Bonjour, bonjour à tous. Salut mes impactés. Si c'est la première fois que vous me découvrez, je suis Monica Zedi, l'impactée. Je parle de tout, je parle d'immigration. Ce soir, je suis là pour parler immigration, pour annoncer l'arrivée du consultant en immigration qui s'en vient à Abidjan le 20 décembre. Donc, je suis dans son bureau. Aujourd'hui, on va vous présenter quelques personnels et puis le consultant aussi va parler. On va vous montrer aussi les locaux, là où il travaille, pour vous, vraiment, pour que vous voyez la véracité. C'est ce que je vous dis toujours. Merci. Donc, M. Magadi va parler pour vous. Bonjour, chers amis ivoiriens et africains. Bienvenue chez Desti. Écoutez, c'est toujours un plaisir quand nous recevons Monica l'impacteuse. Vraiment, une femme qui porte en elle l'amour de son prochain. Une femme pour qui nous avons une grande admiration. Que nous tenons à remercier pour son énergie, qui est positive. Et pour tout ce qu'elle apporte de bien autour d'elle. Et nous sommes très contents de collaborer avec une telle personne hein, qui est de dimension internationale. Hein. Elle n'est pas seulement aimée que dans son pays natal, la Côte d'Ivoire. On aime Monica partout. Dernièrement, à mon escale à Paris, deux jeunes Africains m'ont approché. « Ah, écoutez, bonjour, c'est vous le consultant Magadi ?» J'ai dit « Oui ». Ah, on vous a vu sur une vidéo avec Monica l'impacteuse. Vous savez, nous, on aime Monica l'impacteuse. Ça m'a touché. Un peu partout où je suis passé, même chez moi au Niger, on me dit, on aime Monica l'impacteuse. Eh bien, vous n'êtes pas seul à aimer Monica l'impacteuse, nous l'aimons aussi. Pourquoi? Parce que Monica essaie d'aider tout le monde, Monica essaie de faire avancer les choses. Et vous savez, chez Groupe Consultant d'Estime, nous sommes partisans de cette doctrine-là. Depuis 33 ans que le fondateur Gilles Deschênes, notre bien-aimé, défunt patron, a mis sur pied Desti, nous gardons ce même cap, le client est roi. Nous essayons d'aider des milliers de personnes à réaliser leurs rêves. Nous avons traité et réussi plusieurs milliers de dossiers ici à Desti Consultant Group pour les étrangers qui ont choisi le Canada, cette terre de paix, cette terre d'accueil, un merveilleux pays qui fait rêver plus d'un, j'imagine. Et pour faire ce travail, je ne suis pas seul. J'ai autour de moi des collaborateurs de grandes compétences, de grandes qualifications, dont aujourd'hui, je veux vous introduire deux. Vous avez à ma droite, à côté de Monica, Madame Anne-Gia Ratnam, qui est responsable des opérations. Et sur la droite de Madame Gia Ratnam, Madame Ayat Benkiran, qui est responsable des travailleurs qualifiés francophones. Alors, sans plus tarder, je veux tout de suite vous confirmer ce que vous a dit Monica. Je serai donc en Côte d'Ivoire à partir du 20 décembre, si tout va bien, si Dieu le veut bien. Vous savez, la Côte d'Ivoire, c'est ma porte d'entrée en Afrique. J'aime la Côte d'Ivoire, j'aime les Ivoiriens. J'ai du plaisir à me retrouver en Côte d'Ivoire. Et ce n'est pas un hasard, depuis maintenant 5-6 ans, des milliers d'Ivoiriens sont rentrés au Canada grâce à Desti. Et nous allons continuer. Les Ivoiriens ont de la classe, les Ivoiriens ont du savoir-vivre,
Les Ivoiriens sont chaleureux, ils sont gentils, ils sont ouverts. Donc, qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour nos frères et amis de Côte d'Ivoire? Et nous allons continuer dans cette lancée. Et ici, chez Desti, donc, nous couvrons tous les secteurs de l'immigration, aussi bien l'immigration temporaire que l'immigration permanente. Alors, on va commencer par l'immigration temporaire. Au niveau de l'immigration temporaire, notre responsable des opérations, Mme Gératnam, est essentiellement responsable de la cueillette collecte des étudiants étrangers qui viennent. Donc, je vais lui passer la parole pour qu'elle vous explique un peu comment elle travaille à ce niveau-là. Hi everyone at Ivory Coast. So to present myself, my name is Anne Jayaratnam. I am in charge of the operations here at Desti Consultants Group. So what my role is for all the candidates that qualify to come here as students, once they receive their files, we transfer them to the lawyers. So that is where I come in. I transfer the files to the lawyers. The lawyers are the ones who will be studying your file, looking at all the documents, and deciding which school to register the candidate in. If ever there's documents missing or information that is missing, they will let me know, and in turn, I let the clients know that we need the following documents or information in order to complete your student application. At the end, when we receive the results, when we get the admission letter, they will let me know, and I in turn will let the client know. And from there on, we will continue the following steps to obtain the CEQ and the study permit. Maintenant, je vais dire ça en français. Donc, un gros bonjour à tout le monde à Côte d'Ivoire. Je me présente Anne Gératnam, responsable des opérations à Desti Consultant Group. Donc, ce que moi je fais, c'est lorsqu'on reçoit les dossiers des candidats qui veulent venir ici pour étudier, une fois qu'on reçoit tous les documents et tout ça, on les transfère à nos avocats. Ce sont nos avocats qui vont étudier votre dossier, tous les documents, votre profil. Ils vont sélectionner c'est dans quel programme il faut vous inscrire, dans quelle école. À n'importe quel moment, si jamais on a besoin des informations, des documents supplémentaires, ils vont m'aviser et moi je vais aviser les clients, voilà ce qu'il faut pour compléter votre demande. Si jamais il y a un suivi à faire, les clients peuvent me contacter, moi je vais voir avec les avocats qu'est-ce qui se passe dans votre dossier. Par la suite, lorsqu'on reçoit les résultats, comme la lettre d'admission elle-même, on va aviser les clients et à ce moment-là, on va continuer avec les démarches pour le CAQ et permis d'études. Thank you. Bon, merci. À présent, après la brillante intervention de Mme Gératnam, nous allons donc passer dans la catégorie de l'immigration permanente. À ce niveau-là, nous avons deux programmes phares ici. ARIMA, dans la majorité de nos candidats ivoiriens qui appliquent. OK. ARIMA, donc, c'est au niveau du Québec. C'est un peu l'immigration rapide, pour ne pas dire express. Et nous avions le fameux programme Express Entry, de compétences fédérales. Donc, pour ARIMA et pour tout ce qui est travailleurs qualifiés francophones, nous avons une responsable ici qui est analyste senior, OK, Mme Hayat Benkiran, qui a 15 ans d'expérience ici. Ok, et qui travaille dans ce domaine-là. Donc, je vais vous la passer pour qu'elle vous explique un peu comment ça se passe à son département. Oui, bonjour, chers Ivoiriens. C'est Madame Hayat Benkiran. Donc, je suis responsable des travailleurs qualifiés. Donc, moi, normalement, je prends au début les CV, je fais l'évaluation des demandes. Si ça marche, normalement, on avise le client, donc on envoie un contrat et après, dès que le client normalement signe avec nous, on commence les démarches pour la demande de certificat de sélection du Québec. Ça, c'est pour le Québec. Et bien sûr, par la suite, on passe pour la partie fédérale, on demande la résidence permanente. Donc, on fait la résidence permanente et même par la suite, lorsque le client il est ici, on passe même pour la citoyenneté avec le client. Donc, pour les clients qui passent par ARIMA, normalement, on évalue le cas suivant la formation, le niveau de scolarité, l'âge, les langues, est-ce qu'ils parlent très bien le français. Parfois, on demande l'anglais si on veut aller comme pour qu'on a plus de points. Donc, c'est pour cela qu'on demande parfois l'anglais. Donc, c'est ça, normalement, pour les travailleurs qualifiés. Donc, si on obtient le CEQ, ça y est, ça veut dire qu'on a la résidence permanente. Donc, c'est ça. Il y a des gens peut-être qui veulent
comprendre ça en arabe si des gens qui sont intéressés pour l'arabe. Assalamu alaikum. Hna hna kandiru l'hijra le Canada. M'kenfin biha. والحمدلله المهم انا جيت من المغرب وجيت لهنا على كندا من خلال ديستي هي سبب بانني انا دابا عندي هنا لا سيتويينتي مع الاولاد ديالي مع الزوج ديالي دونك اللي باغي يدير الهجره لكندا يتصل بينا غادي يكون الرئيس ديالي السيد مجاجي دونك غادي يكون في شهر ديسمبر ان شاء الله ولا كان شي واحد مهتم بالعربيه ولا هذا يكلمني في التليفون ما فيش مشكل دونك سي سا moi je suis contente de travailler ici avec Desti et c'est Desti qui a fait mes papiers bien sûr donc c'est grâce à eux et ça fait comme plus que 15 ans que je travaille ici je suis contente j'aime mes clients j'aime aider les gens donc parce que j'ai passé de la même étape donc pourquoi pas les autres pourquoi ne pas les aider donc on est là pour aider tous les gens qui veulent émigrer au Canada et merci beaucoup hein. Okay. Bien. Donc maintenant après la brillante intervention de madame G.R. Atnam je veux brièvement vous parler d'Express Entry la responsable madame Angela Chan qui est complètement anglophone bon on n'est pas là aujourd'hui. Mais je veux juste vous dire ceci, il y a eu une modification au niveau de la loi du gouvernement fédéral concernant le programme Express Entry, une légère modification survenue le 18 novembre dernier 2020, hein, au niveau donc de ce qu'on appelle le système de classement global, okay, le SGC, c'est-à-dire le gouvernement a décidé d'atteindre le quota de 4,4% de francophones hors Québec hein, pour la période 2018-2023 donc d'ici les trois prochaines années nous sommes en 2020 et pour cela il a donc été décidé d'accorder des points supplémentaires pour les francophones c'est-à-dire 10 points de plus pour les francophones donc dans la partie du système de classement global SGC et pour ceux qui sont bilingues 20 points de plus et donc l'honorable ministre du gouvernement fédéral, Marco Mendicino, okay, pense qu'en allant dans cette voie-ci, là, on aura un peu plus de francophones hors Québec. Comme vous le saviez, le Canada est un pays bilingue, francophone, anglophone. Les francophones sont essentiellement concentrés au niveau du Québec. Là, la politique du gouvernement fédéral consiste à faire en sorte qu'il y ait un peu plus de francophones hors Québec. Donc, c'est dans ce sens que le programme, donc le 18 novembre dernier, a été légèrement modifié. Donc, au niveau des compétences linguistiques, des points additionnels ont été donc accordés pour les francophones. Voilà, je vous remercie. Et tout comme Madame Hayat, mais je suis moi-même un produit Desti. Hein? Je tiens à le mentionner, à le préciser, c'est très important. Il y a de cela une vingtaine d'années, 27 ans je crois, j'étais étudiant à l'Université du Québec à Montréal. Après ma graduation, Desti et le président des chaînes ont traité et réussi mon dossier d'immigration. Donc, une bonne partie des employés ici sont des produits maison. Il y a Hayat Benkiran, il y a moi-même, okay, et il y a deux autres personnes qui ne sont pas là cet après-midi. Donc, pour nos amis de Côte d'Ivoire et d'Afrique, nous vous disons à très bientôt. Merci. Merci. Bon, c'est bon. C'est bon. Oui, c'est bon. Hi. Bien, bonjour. Mm-hmm. Ah, bienvenue dans le bureau de Madame Yu Sheon Maria. Mm-hmm. Elle est la directrice générale et administratrice de l'administration. Ok. Okay, beaucoup de gens entendent parler de Desti depuis 33 ans. Mm-hmm. Ça fait maintenant 27 ans, bientôt 28, mm-hmm. que Maria s'occupe de la direction générale. Wow. Au sein de notre entreprise. Et pour vous dire, sans son génie créateur, sans son travail, mm-hmm. sans son organisation, mais il n'y aura pas de Desti. Okay. Parce que pour faire l'immigration, il faut une bonne administration. Okay. Ici, chez Desti, c'est Madame Liu qui s'occupe de tout, mm-hmm. des opérations, de l'organisation administrative, bureaucratique. Bref, c'est pratiquement
le cœur de la compagnie. Okay. Et on a coutume de dire ici dans notre jargon, without Maria, no Desti. Alors okay. Je vous l'introduis. Madame, s'il vous plaît, elle est anglophone. Et ouais, elle nous parle en anglais. Yeah. Well, I'm okay. Sorry, no, I have to talk in English. Yeah, that's okay. Well, I have been with Desti for more than 20 years. Yeah. And then, Desti is a very good company mm-hmm. with a very good reputation. Mm-hmm. And it was founded in 1988. Okay. So, first with Mr. Judy Shen, mm-hmm. and then afterwards it's Madame Du Shen, and was taken over by Mr. Magaji. Mm-hmm. And Mr. Magaji is very popular. Oh. Il est très populaire. Yeah, very popular. Il est très populaire. And especially among the people of Africa. Okay. And the we have good reputation, and we every year we have more than 300 cases, you know. Mm-hmm. So people are confident with us, mm-hmm. and I can say we have a new chez nous. Mm-hmm. Thank you. Thank you. Merci beaucoup. Bon, mes impactés, bonsoir. Hein. Là, je suis en train de vous montrer Desti Group Consultant. C'est ça. C'est le bâtiment qui est là. C'est comme si ici, on est au plateau, là. Voilà. Parce que quand je vous dis, je dis, c'est du sérieux, là. On n'est pas dans du jeu, ici. Regardez, ça, c'est comme si on est en plein centre-ville de Montréal. Voilà. Mm-hmm. Desti, là, c'est vraiment ça. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, là, je suis en train de vous montrer les vraies choses. Comme je vous dis, là, c'est pas du Niamsele, là. C'est du sérieux, ici. Donc, on rentre là. Je vais vous expliquer. Aujourd'hui, vous allez rencontrer le personnel. Oui, il y a d'autres qui vont parler en anglais. Oui, parce qu'il y a une qui est bilingue ici. Il y a une responsable aussi qui va vous parler en arabe. Tout et tout. C'est ça. Voici un peu les locaux de Desti. Voilà. Donc, M. Maradi va nous expliquer aussi. Bien, alors, ici donc... Mm-hmm. Vous avez la réception. Voilà, ça c'est. Quand les clients viennent nous rencontrer, mm-hmm. on les installe ici. Ok, on a deux supports techniques réceptionnistes voilà. qui s'occupent donc d'orienter les clients tout à fait. Vers les analystes qui doivent les rencontrer. Le travail se fait comment ? Il se fait au niveau opérationnel tactique chez les analystes. Mm-hmm. C'est eux qui montrent les dossiers avant que les avocats et moi-même nous installons pour faire toutes les vérifications nécessaires tout à fait. Et transmettre le dossier. Derrière vous, vous avez le portrait du fondateur, ouais. M. Gilles Deschêtes, ouais. qui a mis au point Desti, en fait, qui a créé Desti le 17 septembre 1987. Donc Desti a plus de 33 ans maintenant. Ok, donc. Ok, donc là, ici. C'est grand, hein? C'est vraiment grand. Oui, bien mm-hmm. sûr, on a tout un pavillon. Mm-hmm. Ici, vous avez donc le bureau de la directrice générale mm-hmm. de l'administration. Madame Maria Yu, c'est elle qui s'occupe de tout ce qui est administration ici au niveau du Desti. Mm-hmm. Là, vous avez le bureau de la responsable des opérations, mm-hmm. Madame Anne Jaratnam, qui s'occupe des admissions des étudiants étrangers. Voilà, tous ceux qui veulent faire les dossiers d'étudiants étrangers, c'est elle, Madame Anne. Donc, c'est elle qui s'en occupe, c'est la responsable. Voilà, tantôt vous allez la voir, elle est bilingue, elle parle français, anglais, elle va vous parler en français. Elle va vous parler en anglais, mais allez au bout de la vidéo parce qu'il y a des informations. Ce n'est pas parce que c'est en anglais ou en arabe, tout de suite, vous allez vous arrêter. Bien. Ici, vous avez une salle de réunion. Voilà, ça, c'est la salle de réunion. C'est là qu'on m'a offert tantôt mon petit café que j'ai pris. Vous me connaissez hein, avec mon affaire de café. Ici, c'est mon bureau. Voilà, ça, c'est donc, voilà. C'est là où se prennent la plupart des grosses voilà, décisions. Voilà, les grosses de la décisions, compagnie, tout à fait. Hein, avec mes différents collaborateurs. Tout à fait. Ok. Ouais. Voilà. Voilà, avec son portrait voilà. qui est ici. Il tient tant à son portrait. Hein, oh non, même pas. C'est un peintre qui a essayé okay. de me caricaturer. Bon, c'est ça. Ici, c'est le portrait du président fondateur. Tout et tout. Ça, c'est mes différentes licences. Voilà, voilà, justement. Celle du fédéral. Exactement, c'est très important. Je suis membre du CRC ici. Voilà. Donc, je suis un CRIC, un consultant réglementé en immigration canadienne. Merci beaucoup. Et en même temps, ça, donc, c'est voilà. les indices de ma licence du Québec. Je suis membre de l'Association des consultants en immigration du Québec. Bon, c'est ça. J'ai une double licence. Voilà, double licence, s'il vous plaît. C'est pas du Niamsele ici, c'est du sérieux. Ici, donc, c'est la salle des analystes. Voilà.
Alors, elle est vide ce soir. Pourquoi? Mm-hmm. Nous sommes en pandémie. Le gouvernement nous a demandé de faire du télétravail essentiellement. Mm-hmm. Donc, 70% du staff travaille à partir de leur domicile. Tout à fait. Mais un grand bureau comme ça, on ne peut pas fermer. Tout à fait. On a plusieurs dossiers en marche, des milliers. Mm-hmm. Donc, on est obligé de se relayer, on tourne. Mm-hmm. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez parlé avec certains qui étaient là. Mm-hmm. Les autres, comme Mme Angela Chan, qui font un prêt express, ne sont pas là. Mm-hmm. Ce sera peut-être pour une autre fois. Okay. Mais je vous montre quand même la salle des tout analystes. À fait. Mm-hmm. Donc, c'est là où tout le travail se fait. C'est ça. Le montage, le traitement mm-hmm. des dossiers d'immigration. Mm-hmm. Vous voyez, sur le bureau, tout ça, ce sont des dossiers en train d'être montés. Mm-hmm. Et ça nous amène directement mm-hmm. au bureau de Madame Ayat Benkiran. Ouais. C'est Madame Ayat. Alors, Madame Ayat, ouais. C'est notre fierté parce que ouais, elle fait du bon travail. Elle est originaire du Maroc. Mm-hmm. On la surnomme affectueusement notre ministre des Affaires étrangères. Okay. Elle a le tour, oui, oui, d'aller chercher les clients plus difficiles, les mm-hmm. plus récalcitrants. Mm-hmm. Un grand volume de clients sont rentrés grâce à son travail. Ok. Vraiment, on a fait une grande percée au Maroc avec elle. Mm-hmm. Elle s'occupe essentiellement des travailleurs qualifiés francophones. Okay. Voilà. C'est le bureau Entrée Express. Pour nos amis ivoiriens. Hein? Ouais. Pierre Raffol, c'est Madame Angela Chan. Elle n'est pas là aujourd'hui. Covid mm-hmm. oblige. Mm-hmm. Comme j'explique, on travaille à taux réduit. Tout à 25%. Ok, c'est bon. Bien. Okay. Et avant de finir, je vais vous montrer une partie de notre centre de stockage de dossiers. Mm-hmm. Voilà, ici. Voilà. Voyez-vous? Voici ce qu'on appelle une entreprise sérieuse. Tout est classé là. On a des milliers de dossiers en marche. Mm-hmm. On a des 2010, mm-hmm. des 2013, des 2006. Mm-hmm. Généralement, d'abord, tout est informatisé. Okay. Mais comme les clients nous amènent leurs pièces, mm-hmm. assez souvent, ils ont besoin de ça, une fois que le travail est terminé. Okay. Donc, nous sommes obligés de ramener les boîtes. Ok. Ok, ouais. Pour retirer les pièces des clients, okay. leur remettre ça. Parce que le règlement nous impose ceci. Mm-hmm. 5 à 7 ans après l'obtention donc de la résidence permanente ou en tout cas des différents papiers qu'ils viennent chercher, mm-hmm. nous avons donc l'obligation de retourner les documents aux clients ou, si les clients ne le veulent pas, de les détruire. Ok, vous n'avez pas le droit de les garder. Non, on ne les garde pas pour la sécurité du client. Okay. Nous avons toute une politique ici, là, mm-hmm. okay, pour garantir okay. les biens du client. Ça. Et sa sécurité. La confidentialité. Voilà, aussi. La confidentialité de mise, tout. Okay. Ça, c'est tout un autre volet hein, mm-hmm. qui est sous la responsabilité d'un autre de nos collègues qui n'est pas là aujourd'hui. Ok. Bien. Monsieur Magui, il y a des clients qui s'inquiétaient du fait que, bon, son bureau est à Montréal. Comment on fait pour lui envoyer les dossiers, tout et tout? Ben, je ne sais pas si vous avez un mot. Mais c'est très simple, comme mm-hmm. la plupart des compagnies. Mm-hmm. Justement, le bureau est à Montréal, le travail se fait ici. Mm-hmm. Les gens nous contactent toujours par email, ça, par Internet. Téléversement des dossiers. Ils nous envoient les CV. Mm-hmm. Okay, nous étudions, nous analysons les CV. Mm-hmm. Et s'ils correspondent aux grilles du gouvernement fédéral ou du gouvernement du Québec, mm-hmm. à ce moment-là, nous réagissons en envoyant un contrat. C'est ça. Et dès qu'ils signent le contrat, le travail peut commencer. Okay. Traditionnellement, c'est comme ça qu'on travaille. Okay. Voilà. Bon. Okay? Okay, ici, oui, vous bon. Avez donc les filières des dossiers mm-hmm. ouvert actuellement, mm-hmm. voyez-vous, qui sont ouais. en marche. Les dossiers qui 2016, sont en cours. Oui, mm-hmm. en cours 2020, mm-hmm. 2015. Okay. Essentiellement, ça, c'est les dossiers que nous sommes en train de monter. D'accord. Donc, c'est vraiment un travail qu'on fait à la chaîne. Okay. On prend donc l'étranger mm-hmm. et on essaie de le transformer mm-hmm. soit en Canadien, mm-hmm. résident permanent, mm-hmm. ou en étudiant étranger. Étudiant étranger, c'est voilà. ça. Et parfois aussi, de l'immigration temporaire, mm-hmm. on peut passer à l'immigration permanente. C'est-à-dire, mm-hmm. on prend un étudiant qui a son bac en Côte d'Ivoire, mm-hmm. il décide de venir étudier au Canada, mm-hmm. l'université, mm-hmm. par exemple. Une fois qu'il a le diplôme, s'il est destiné au Québec, mm-hmm. la loi lui permet, avec son diplôme, mm-hmm. okay, d'opter pour un programme qu'on appelle le programme de l'expérience québécoise. Mm-hmm. Autrement dit, 12 à 24 mois après l'obtention de son diplôme, mm-hmm. il peut devenir résident permanent. Okay. C'est un exemple. Donc, parfois, de la résidence temporaire, on peut passer à la résidence permanente. Même chose pour un travailleur qui serait venu à travers ce qu'on appelle l'EIMT. Ouais. L'étude de l'impact sur le marché du travail. Ouais. Vous avez certaines de nos entreprises ici au Canada
qui, pour x, y raison, n'arrivent pas à trouver la compétence localement. Comme vous le savez. Oui, mais l'affaire du permis de travail, ce n'est pas aussi facile que les gens le pensent. Hein, parce que je reçois beaucoup de... Non, justement, ce n'est pas facile, c'est compliqué parce que les gens doivent comprendre ceci. Mm-hmm. La priorité au niveau canadien, c'est d'abord de permettre aux Canadiens qui sont à la recherche d'emploi d'avoir un travail. Mm-hmm. Malheureusement, dans certains secteurs de pointe, les entreprises ne trouvent pas. Okay. Et si l'entreprise arrive à démontrer, c'est pour ça qu'on parle d'études d'impact sur le marché du travail. Si l'entreprise démontre qu'elle a tout fait, elle n'a pas pu trouver cette ressource ici au pays, à ce moment-là, le gouvernement lui permet d'aller à l'étranger chercher cette ressource-là. Tout à fait. Voyez-vous? Donc, c'est tout ce processus, à travers donc un processus simplifié ou normal, qu'on appelle étude d'impact sur le marché du travail. Donc, ce n'est pas systématique. Oui, ce n'est pas systématique. Ça se fait au cas par cas. Tout à fait. Voilà, je vous remercie. En tout cas, merci beaucoup et puis bon, bonne soirée. Merci. Pour conclure, M. Baradji, moi j'ai quelques questions à vous poser. Quelles sont les perspectives au niveau de l'immigration? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est projeté pour le futur? Bien, écoutez, comme vous le saviez, le Canada est une terre d'immigration. Et le Canada a besoin d'immigrants de qualité pour plusieurs raisons. Sur une superficie de 10 millions de kilomètres carrés, il y a à peine 35 millions de Canadiens, si je ne m'abuse. Versus, au sud du Canada, les États-Unis d'Amérique, sur 9 millions de kilomètres carrés, ils sont plus de 320 millions d'habitants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a à peu près 11 Américains pour un Canadien. Donc, le Canada a compris qu'il n'a d'autre choix que d'ouvrir ses portes. Et derrière, notre immigration est appelée immigration choisie, okay? Parce que tout simplement, le Canada cherche des gens qui ont des qualifications académiques ou professionnelles. Donc, les perspectives sont bonnes. L'immigration familiale est plus ou moins encouragée. Le Canada est très ouvert. Okay? Seulement, voilà, les gens doivent comprendre ceci. Le processus d'immigration canadien, il est étapiste, c'est-à-dire que ce n'est pas coulé dans du béton. Quand on décide d'immigrer au Canada, on doit être très patient. C'est ça. Parce que l'immigration se fait selon la LIPR, la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, donc selon les politiques gouvernementales. Les lois changent tout le temps. Ce n'est pas aussi rapide, surtout là, malheureusement, avec cette affaire de COVID-19, il y a un ralentissement à tous les niveaux. Parfois, les gouvernements sont obligés donc de modifier les lois. Et ces modifications peuvent avoir de l'incidence sur certains dossiers. Fait que donc les gens doivent comprendre. Ok, cela, les gens doivent être patients. Et de façon générale, je vais être très clair et très honnête avec le public. Nous autres là, que nous soyons avocats, consultants réglementés ou appelez ça comme vous voulez, là, nous sommes des facilitateurs, nous sommes des accompagnateurs. Nous avons des obligations de moyens et non de résultats. On nous paye pour un travail professionnel qui doit être fait et que nous essayons autant que faire se peut de faire. La décision finale appartient aux structures gouvernementales. C'est ça. Voilà, c'est le gouvernement qui donne le papier, c'est pas nous. Assez souvent, on tombe sur des aberrations où certains consultants disent carrément aux candidats, signez, ça va marcher. Non, on ne peut pas vous promettre quelque chose qu'on n'a pas. Nous, chez Desti, ce qu'on vous promet, par exemple, c'est notre professionnalisme. Avec les excellents et dynamiques employés qu'on a. Et les résultats sont là pour le démontrer. Nous avons globalement 95% de taux de réussite. Ça signifie quoi? Ça veut dire que sur 100 dossiers qu'on traite, 95 arrivent à marcher. Tant mieux. Donc, les gens doivent comprendre ceci. Ce n'est pas parce qu'ils nous payent qu'ils vont avoir les papiers. Non, nous ne donnons pas les papiers. Ils nous payent parce que nous connaissons les rouages, c'est notre métier, c'est notre travail. En fait, ils nous transmettent le stress. Et ils ont 10 fois plus de chances ou 1000 fois plus de chances parce que nous, on sait de quoi il s'agit. Voilà. Ça, je veux que les gens comprennent ça. Et deuxièmement, quand on fait ce genre de travail, ça prend une discipline. Ça prend de l'organisation. Parce que l'immigration canadienne demande beaucoup de documents. Nous travaillons beaucoup par Internet, par email. Donc, il faut envoyer les documents. Il faut vraiment être organisé. Il ne faut pas traîner. Ça, les gens doivent avoir cette culture-là. Je sais qu'en Afrique, bon, la culture informatique n'est pas la même qu'ici. Mais vraiment, il est de la responsabilité des gens, une fois dans ce processus-là, okay, d'être sur leur garde et de bien comprendre comment ça marche.
Voilà ce que je veux dire. Ouais, il faut aussi mettre l'accent sur le volet communication. Moi, quand je parle à chaque fois de Desti, parce que souvent les messages que je reçois, je vois que les clients ne sont pas assez informés quand ils sont dans des procédures d'immigration. Donc, à Desti, le volet de la communication entre, ça dit, vous, le personnel et les clients. Moi, j'ai remarqué que c'est quelque chose d'important parce que j'ai fait des dossiers ici. J'ai vu comment chaque fois on appelait le client pour lui dire on est rendu à tel niveau, on est rendu à tel niveau. C'est très important. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai toujours conseillé Desti parce qu'il y a du sérieux dans ce qu'ils font. Mais comme il a dit et comme je le dis toujours dans les vidéos, ce n'est pas M. Magadi qui va vous donner le visa ou bien quoi pour rentrer. Lui, il fournit la paperasse, tout ce qu'on demande de façon sérieuse, de façon concise. Et puis, bon, le gouvernement décide. Donc, il y a ça. Et puis, on a une tournée aussi qu'on est en train de préparer pour l'été prochain. Tout et tout sur Abidjan. Je pense que tu as un mot à dire là-dessus. Bien, oui. Avant de venir sur ça, je veux dire, mais, Madame Monica vous a dit une vérité de la palisse. Ce qu'elle vient de dire, c'est très, très, très important. Et les gens doivent comprendre ça. Parce que malheureusement, ça marche comme cela. C'est tout. Et je pense qu'après ce qu'elle a dit là, il n'y a pas autre chose à rajouter. Maintenant, il est clair qu'au niveau de la communication, par exemple, nous chez Desti, qu'est-ce qu'on a fait? Si vous remarquez, on a tous la même adresse email. Voilà, on travaille un peu à la Kaizen System, à la japonaise, c'est-à-dire les 19 membres de Desti reçoivent en temps réel la même information au même moment. Que ce soit moi, que ce soit Anne, que ce soit Hayat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 19 personnes ne peuvent pas se tromper comme ça en même temps. Et même si quelqu'un n'est pas là, ben le travail se fait pareil. Voilà. Donc, la communication, comme l'a dit l'impacteuse, est cruciale. Tout repose sur ça. D'ailleurs, nous, notre technique, le client est roi, en fait, c'est quoi? C'est du bouche à oreille. Donc, vraiment, à notre niveau, l'information circule. Et dès qu'on reçoit une communication du gouvernement, le même jour, dans les 2 heures qui suivent, on avise les clients. C'est pour ça que je veux attirer l'attention de notre clientèle. Quand vous signez un contrat avec Desti, de grâce, tous les jours, faites l'effort d'ouvrir votre boîte email. Parce qu'on ne sait pas quand le gouvernement écrit. Parfois, on reçoit des courriels où on nous donne une semaine pour fournir certains documents. Alors, si on vous écrit et que vous allez toutes les 2 semaines dans votre cybercafé ou tous les mois, ben là, il y a un problème. Parce qu'à la fin, si on ne soumet pas le document et que le dossier est rejeté, la raison pour fermer, là, c'est la faute à qui? Il y en a qui parlent de remboursement, il y en a qui se plaignent. Non, il faut vraiment de la discipline, il faut être organisé. C'est très important. Voilà. Et maintenant, les perspectives pour l'Afrique. Vous savez que l'immigration qui vient en provenance d'Afrique est traditionnellement bienvenue ici. Surtout celle des francophones qui est vraiment pas tellement élevée par rapport aux anglophones. Ok. Nous avons choisi la Côte d'Ivoire parce que tout simplement, nous sommes dans un environnement où les gens comprennent le phénomène d'immigration. Tout comme le Mali d'ailleurs, un autre pays où nous avions beaucoup de clients, beaucoup de candidats. Parce que dans ces deux pays-là, les gens aiment par excellence se déplacer, les gens aiment voyager. Donc, on essaie autant que faire se peut, okay, de servir les gens et d'aller vers leur satisfaction. Merci. Mm-hmm. Et puis, bon, comme je vous ai déjà dit, chaque fois que vous souscrivez à un contrat à Desti, n'oubliez pas de préciser que vous venez, c'est-à-dire vous êtes des impactés. J'ai précisé, quand vous dites ça, c'est une façon pour eux aussi d'essayer de répertorier votre dossier et puis tout de suite, ils savent comment traiter. Je vous ai dit, ce n'est pas parce que vous dites que vous êtes impacté que tout de suite, au niveau du gouvernement, ça va accélérer. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit, mais ils ont une façon de prioriser les dossiers des impactés au sein de la structure d'estimer. Donc, c'est important de toujours préciser que vous venez de la part de l'impacteuse quand arrive le moment de signer un contrat avec Desti. Absolument, parce que ce que je veux vous confirmer, c'est que finalement, mais Desti est elle-même impactée. Hein? Impactée par l'impacteuse Monica. Nous sommes, comme je vous ai dit tout à l'heure, subjugués, séduits par cette femme, écoutez, qui a de l'amour pour son prochain, qui aime les autres, qui veut aider les gens. À tel point, comme elle vous l'a dit tantôt, et là je veux revenir avec et vous le confirmer, nous avons décidé
l'été prochain. En tout cas, nous sommes en train de travailler sur ça avec nos différents collaborateurs parce qu'il faut voir les agendas des uns et des autres. Nous nous avons l'ambition d'organiser une tournée l'été prochain en Côte d'Ivoire. Ok, Abidjan, Yamoussoukro, San Pedro, pourquoi pas, pour aller donc rencontrer nos amis de Côte d'Ivoire avec l'impacté, leur montrer que nous sommes nous-mêmes impactés et que nous voulons les aider à réaliser leurs rêves et pour leur dire à quoi va au Canada. Merci. Merci. Bon, en tout cas, merci. Les impactés, bon, vous avez vu, vous avez vu le vlog, comment il était très intéressant. Si vous avez aimé, likez, partagez, oui. Parce qu'il y a des informations très importantes dedans. Vous avez vu comment ils travaillent tout et tout. Donc, n'hésitez pas. Et puis, sachez qu'on prépare quelque chose de gros pour l'été prochain à Abidjan. Sur ce, prenez soin de vous. Et puis, ciao.